Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour un nouvel épisode de la survie du week-end. Ok. Ça. Donc, la dernière fois, on avait fait quoi exactement? Je suis en train de me rappeler. J'ai eu des problèmes en fait en lançant le jeu. J'avais encore le. Je l'avais montré, ce problème où le jeu commence sur le mauvais écran et après il y a le FOV qui est tout et n'importe quoi, le FOV. J'ai eu ça, j'ai aussi testé parce que après en fait dormi, j'ai voulu faire un test. J'ai voulu broyer en fait les glands qu'on avait sans poser cela par terre parce qu'ils sont buggés, hein, on rappelle qu'ils sont buggés. Un truc aussi par rapport au bug là des 320, 400, faudra qu'on essaye de les poser dans un container en fait parce qu'il n'y avait pas vraiment de container là où on était. Mais faudra tester ça, faudra poser dans les containers, voir si ça fonctionne, si ça reste à 400. Donc ouais, j'ai eu des problèmes, donc honnêtement je suis déjà bien monté, hein. La sauce elle a déjà bien monté. Donc voilà, donc je sais plus exactement ce qu'on voulait faire, on avait posé que le sac de couchage. Oui, on veut retourner à Muskeg Morn, oui on va peut-être s'arrêter. En branchement du lointain. Ah oui, on n'est pas encore arrivé. Oula, on a encore du chemin. Ouh la vache, ouais, on a encore du chemin. Par contre, on doit pas. On doit pas prendre une corne, non? Pourquoi on est aussi lourd? Ça va être la merde. Je vais devoir poser tout mon eau. C'est possible. J'ai du bois sur moi? Un peu. Parce que je crois bien qu'il n'y a que la corde. Hein. J'ai pas trop envie de me balader non plus parce que sinon. Bah, je vais pas sprinter pour pas nous fatiguer. Mais je crois bien qu'il n'y a que la corde hein, pour pouvoir remonter là. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ah non, vous savez ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut faire? J'y ai pensé que maintenant. Je crois que là, vous savez, il y a un éboulement. Je crois qu'on peut le passer. Ah mais du coup, attends, pour le passer, il faut quoi? Il faut revenir par la grotte. Et on peut passer par-dessus. Je crois que j'étais passé par-dessus. On va tester. Ouais, je dis pourquoi pas. On est un peu lourd par contre. Mais... Je suis sûr qu'on avait fait ça, mais je me rappelle vaguement. Je crois qu'on avait fait ça. Par contre, je sais plus exactement où c'est, parce que la grotte, elle est un peu loin. Parce que c'est là, en fait. Ça, là. On peut tester. Attends, d'abord, on va faire ça. Ça m'indique même pas la grotte. Je me demande si c'est. Je vais essayer de ne pas employer le mot bug un jour, hein, dans un épisode. Mais je vais me demander si c'est normal aussi. Je commence à me demander si c'est normal de pas avoir la grotte qui se dessine en fait sur la carte. Genre l'entrée de la grotte. Je commence à me demander si c'est normal. C'est dans les nouvelles zones, j'ai l'impression qu'il faut être ou ultra collé, ou alors ça marche tout simplement pas. Donc, on va faire ça. Mais ouais, je me rappelle, je suis quasiment certain qu'on peut passer par-dessus. Quasiment certain qu'on peut. Donc techniquement, on n'a pas besoin de la corde pour monter. Enfin, si on veut repasser, si on veut remonter, on n'a pas besoin de la corde, de prendre la corde. Je vais voir, je vais. On va voir. Je crois que c'est pas trop loin. Avec de la chance, c'est juste sur la gauche quand on sort. J'ai du mal à me. C'est pas que j'ai du mal à me repérer. Me repérer, ça va, ici. Mais j'ai du mal à enchaîner. Ouh la vache. Dans le noir, là. J'ai du mal à enchaîner les blocs de zone, en fait. Voyez ce que je veux dire? Genre, je sais pas ce qu'il y a après quoi, en fait. J'ai du mal avec ça. C'est le seul problème que j'ai avec cet endroit en fait encore pour le moment. Je suis pas encore complètement habitué.
Ah oui, on avait dit qu'on voulait prendre ça. Ça aussi. Bah tiens, on a bien fait de revenir. J'espère que ça va pas être trop loin. Branchement du lointain région. Du coup, on est où là? Ouais, non, on est là en fait. Ah, putain, j'ai pas de. Si, j'ai. Ah, mais ça va pas sur la carte. J'ai aucun truc qui a va ah, merde. J'ai aucun symbole qui se met sur la carte qui m'intéresse. Les symboles qui m'intéressent, c'est genre la flèche ou un truc comme ça. Et il y en a aucun qui va se genre tout ce qui est flèche en fait, ça se met pas sur la carte. C'est bien, hein? C'est vraiment bien, hein? Parce que si je suis devant la grotte et que je vois une flèche, merci, je connais, je comprends que c'est la grotte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh putain, ce jeu, quoi. Ouais, non, c'est bien ça, regardez, on peut faire ça. Pas besoin de reprendre la corde, c'est bon. Ouais, il faut partir léger, mais on peut revenir lourd. Il n'y a pas de problème. Bon ben voilà, déjà ça c'est bien. C'est encore heureux que j'y ai pensé à ça. Il y a même une torche. On l'avait déjà fait. Comme j'ai dit, hein, il faudrait pouvoir. Une chose que je changerais pour la carte, c'est de pouvoir dessiner n'importe quoi. Genre avec la souris ou avec le curseur, peu importe. Mais vraiment dessiner n'importe quoi sur la carte, pouvoir dessiner n'importe quoi. Comme ça, du coup, ça nous permet d'écrire des mots, donc des informations. Ça nous permet de dessiner, bah, du coup, n'importe quoi pour nous aider à trouver des endroits ou par où passer. Genre, ils auraient pas dû faire la bombe de peinture. Ils auraient dû faire genre un stylo. C'est con, hein, mais. Mais genre un style. Ou alors on écrit avec du charbon. Ou alors on peut écrire avec du charbon sur la carte. Je pense que ça serait été vraiment beaucoup plus sympa. Ouais, je pense vraiment que ça aurait été beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympa. Parce que les bombes de peinture, elles pèsent 3 tonnes. C'est 0,50 pour l'une, je crois, quand elle est pleine. C'est nettement trop. Pour l'utilité, c'est nettement trop. Et je suis surpris parce que, encore une fois, la radio est à zéro. La radio ne pèse rien. Donc je suis assez surpris qu'ils aient fait ça, quoi. Je pensais vraiment qu'elle allait être au moins à 0,50, la radio. Ah oui, et j'ai aussi regardé pour les boissons, vous savez, les thés. Je vous le montrerai. Quand on peut en fabriquer, ils disent 0,20, mais en fait, le thé, non, c'est 0,10 comme les autres. Quasiment sûr que j'avais vu ça. Bon, ça va, il fait un peu plus chaud à l'intérieur. Parce que là, on est considéré en extérieur s'il fait froid. On n'est pas ralenti aussi. Mais on a assez de vêtements et il fait pas très froid. Donc on peut avancer sans perdre de chaleur, c'est bien. Ah oui, t'as vraiment faim en plus. Ah, on aurait dû limite s'arrêter où il y avait des. Merde, les serres là. Oh là là, j'avoue. J'avoue, j'avoue. On va déjà sortir de là. Ça m'embête ça. Parce que là, on avait des lapins, on avait des serres. Ouais. Bah, c'est parce que je veux rusher en fait. Enfin, je veux rusher. Oui, dans un sens, oui, je veux vraiment aller faire la radio de Muskegmorn. Après, si on sort de là. Ouais, non, mais on va devoir manger. On n'aura jamais le temps. On n'aura jamais le temps d'aller au camp en fait.
à la zone avant Muskegmorn. On n'aura jamais le temps. Parce que je sais que j'ai de la nourriture là-bas. Du charbon. Très bien. Non, c'est trop risqué. Alors, où on mange ça, où on mange ça, tige de massette. On va manger les tiges de massette, parce que les massettes, il y en a plein dans cette zone aussi. On va pas les récupérer maintenant, mais les massettes, ça va être quelque chose qu'on trouverait tout souvent, en fait. Au final. Il y a même des massettes à Muskegmorn, donc... J'avais refouillé ça, juste au cas où. Très bien. Là, il fait pas froid du tout, ça c'est bien. On va refaire le plein au camp. On va refaire le plein au camp. Il y avait quoi là? On avait fouillé, je crois qu'on avait fouillé. On verra ça plus tard. Est-ce qu'on peut passer par là directement? Genre pour éviter de continuer tout droit et d'aller à gauche là. Genre est-ce qu'on peut descendre directement par là? Faire attention à ce qu'il y a des... Oui, je crois qu'on peut. Hein. Oui, oui, oui. C'est là. Normalement, on a de la viande, là. Pas mal, pas mal. Ce que je pensais. Ah. T'as bien eu, hein. T'as bien grugé. T'as bien grugé le loup. Très bien. On va déposer le lapin. Alors, comme j'avais dit, je crois qu'ici... Ouais, on a que ça. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Alors, hop. Pas mal. Ah, nickel. Alors, fais voir un peu. Alors, je vais être honnête, il fait pas très froid. On n'est pas trop fatigué. Il va faire nuit, par contre. On est vraiment lourd de chez lourd. Hein. On a besoin du bois, parce que si jamais...
Si jamais on doit se réchauffer là-bas. Soixante-dix-neuf %. Autant en profiter, hein. Donc on a une batterie là si on en a besoin. On va pas la prendre. Parce que j'espère qu'on trouvera une batterie là-bas. Ça nous fera un peu chier. Qu'on peut faire. Qu'est-ce que t'as là-dedans? T'as des Raichi. Okay. Des conserves. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre des conserves ici? Parce que les conserves, on en a toujours sur nous. Donc à la limite, c'est pas grave. Ah oui, un truc que je veux tester. Alors, fais voir un peu. Alors là, je vais peut-être quitter la partie et recharger si ça merde. Alors, mais c'est pour l'information. Donc, fais voir. Si je prends ça. Attends, oula, déjà, ça stack pas, c'est mauvais signe. 320, non. Non, c'est vraiment bien buggé, hein. Ah, non, non, c'est vraiment bien buggé. Bon, bah, hop. Ah, je suis désolé, hein, je fais pas ça. Survie, reprendre. C'était vraiment pour tester. C'est vraiment pour tester. Donc, ouais, c'est vraiment bien buggé. Putain, c'est bien. C'est bien ce jeu. En fait, faut absolument pas les poser par terre, en fait. Faut pas les stacker comme je fais. Parce qu'après, ça les bug. En fait, quand j'avais testé de les écraser, ça m'avait pris des glands en fait qui étaient à 100%, qui étaient à 400, au lieu de prendre ceux-là. Donc maintenant, je suis en train de me demander si c'est pas parce qu'ils sont à 0,00 kg que le jeu maintenant considère que. Enfin, quoique dans un sens, ça n'a pas de sens parce que si je fais ça, vous voyez, il y a écrit 14. Il y en a 14. Le jeu considère 14. Mais je sais pas pourquoi à un moment il prenait ceux qui avaient le moins de calories et maintenant il prend ceux qui ont le plus de calories. Je peux vous le montrer. Hein. On va requitter. Je vais vous le montrer maintenant. Genre maintenant si je fais ça. Donc fabriquer. Quand je l'avais fait, ça avait pris ceux qui étaient genre à 20 calories. Mais maintenant... Ou alors c'est peut-être complètement au hasard. Non, mais maintenant ça a pris un qui est à 400. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est bien de ne pas tester ces jeux, hein. C'est bien, hein. C'est bien de sortir des mises à jour et des choses et de jamais tester les jeux, hein. C'est vraiment bien, hein. Ça fait plaisir. Ça me fatigue. Donc là, en théorie, ce qui se passe, c'est que là, je suis bloqué avec 12 glands. Avec, enfin, on va arrêter de dire ça. 12 grandes portions. Je suis bloqué avec 12 grandes portions. Il va falloir que je les mange toutes avant de pouvoir refaire du café. Ou alors, je les balance toutes par terre ou dans un récipient et du coup, je perdrai énormément de calories. Parce que ça repassera à 320 au lieu de 400. Voilà. Donc, c'est pas fun, quoi. C'est pas fun. On va peut-être dormir. Attends. On va dormir une heure et on va voir un peu ce qui se passe avec la météo. Ouais, on va faire ça. On va dormir juste une heure et on va voir.
Le temps est bon. Il est parti où le loup? Bon, bah Osef. Bon, tant mieux. Ok, ouais, ça va, ça va, ça va. Enfin, quoique, c'est pas le temps parfait, hein, mais ça va. Ce que je voudrais, c'est... Ah, il commence à faire un peu plus froid, bien ce que je pensais. Merde. Faudrait passer Muskeg Morn, en fait, en une fois. Et après, on bifurque sur la droite. Il y a du vent. On rentre. C'est une tempête, ça. Ah, fait chier. Avance. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on devrait le manger, le loup. Parce qu'elle est pas super fatiguée. On a du bois, je crois. Ouais. On a plus de viande là, on a juste un tout petit morceau dans l'inventaire et c'est tout. Par contre, faire du feu, ça va être la merde. Mais... Oh, il est où? Putain, je l'ai... J'avoue l'avoir vu méga tard. Je vais être honnête, je l'ai vu méga méga tard. Alors, par contre, le problème, c'est faire du feu. On peut pas faire de feu là, hein. Si. Non. Placement d'objets non valide. Pour aucune... Ah! What? T'es sérieux? C'est un bug, ça, encore? What? Parce que moi, j'étais pas au courant qu'on pouvait faire un feu ici. Hein. What? Parce que, alors, pourquoi on pourrait pas faire un feu là, par exemple, trop près d'un autre objet? Placement d'objets non valides. Oh. Okay. Bon, par contre, attends. Si on le met là, la porte est... Je sais qu'on voit pas grand-chose. Hein, je suis désolé, mais... Bon, après, on n'a pas vraiment besoin de la porte. On peut tout simplement... Attends, je peux le mettre là. What the fuck? Ok. Après, faire un feu en intérieur, c'est considéré en intérieur, là.
J'en sais rien. Je sais pas si c'est considéré. En théorie, c'est considéré en intérieur, donc on devrait pas avoir le bonus du froid. Mais là, je sais pas là ce qu'on est en train de faire. Au bout d'un moment, il faut arrêter de, j'ai envie de dire, d'essayer d'avoir du sens en fait dans tout ce qu'on fait, hein. D'un moment. On veut pas faire un grand feu de toute façon. Donc. Mais ouais, au bout d'un moment, faut arrêter d'essayer d'avoir du sens. Et puis, hein, on y va, quoi. Voilà, très bien. Alors, j'étais en train de me poser la question, est-ce que ça, on les prend avec nous ou pas? Alors, en théorie, on en a besoin seulement donc pour faire des bombes. Donc, les bombes, si je dis pas de bêtises, c'est Creek Lugubre et Black Rock. Il faut des choses, des ateliers pour faire des munitions, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Donc du coup, c'est Black Rock ou Creek Lugubre. Donc on n'est pas vraiment. On peut. Quand on retournera au lac Mystère, peut-être on peut les déposer. On en a plein en plus au lac Mystère. Donc pourquoi pas. On est d'accord que là, on n'est pas censé le faire. Dites-moi dans les commentaires, parce que moi je deviens fou là. On n'est pas censé pouvoir le faire en intérieur, si. J'ai jamais fait de feu là, moi. Hein. Enfin, je crois pas. Hein. Ah, il y a plusieurs endroits où on pourrait faire un feu. Mais je deviens fou ou quoi? Je sais pas, peut-être moi. Peut-être moi qui ai plus de mémoire du tout. Je sais pas. Tant mieux. Voilà, tant mieux. Comme j'ai dit, tant mieux. Faire un feu à côté d'une batterie, ça va bien se passer. Faites pas ça à la maison. 20 minutes. Après, je vais être honnête, hein, le coup des grandes rations là qui baisse à 320 là, de calories, honnêtement ça m'exaspère beaucoup hein, parce que je trouvais les objets super bien, puis en plus on a trouvé une bonne façon de les utiliser, puis là c'est complètement buggé, ça m'énerve. On a besoin de faire de l'eau, pas vraiment. Je vais voir, 1 heure de feu, 1h16 de feu. Une heure 16 et on a fait 20 minutes. Peut-être, je sais pas. Bon ben voilà, ça se passe bien. Donc ce qu'on va faire, en espérant que tout se passe bien, donc Muskegman, ce qu'on va faire, c'est on fait ligne droite en plein milieu. Hein. On retourne pas genre à la forge ou quoi que ce soit. Ligne droite. Puis après, à un certain moment, on va commencer à aller sur la droite. Je sais pas si je peux vraiment vous montrer la carte. On va commencer à aller sur la droite. Pour
Alors, on ne peut pas aller directement à l'antenne, ça je m'en rappelle. Il faut faire un passage comme ça en fait. C'est pas trop dur, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de loups en fait la plupart du temps. Comme ça et comme ça. Donc c'est un peu la merde. On va devoir beaucoup combattre. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il fera bon. Comme ça on n'a pas froid, on ne tremble pas. On peut faire du feu à la, de l'eau à la limite. Douze minutes. Ouais, on va le laisser. Ok, on va dormir le reste de la nuit. Ça, on va essayer de ne pas l'utiliser, là, le manger, là. Je suis en train de me demander aussi si jamais le travois, ça va sûrement être un objet qu'on trimballe et tout ça, qu'on équipe, qu'on déséquipe et tout ça. Donc, j'ai peur que ça marche aussi comme un container. Et le problème qui pourrait se passer... Ah, merde, eau non potable, chier. Le problème qui pourrait se passer avec le container, c'est que vous vous rappelez toute cette nourriture humaine là, qu'on a à 0%? Nous, on peut la manger parce qu'on est cuisine 5. Mais quand on met les choses qui sont à 0% dans un container, ça disparaît. Donc j'avais pensé à ça aussi. Donc, ouais. Après, il faudra le garder sur nous, en fait. Non, bah si, en fait, c'est un faux problème. Si jamais c'est le cas, que c'est considéré comme un container, bah du coup, on le gardera sur nous. Et voilà. De toute façon, c'est pas très lourd. Et tout ce qui est lourd, on mettra dans le travaux. Non, on va pas... Très bien. On va pas prendre trop de nourriture sur nous, parce que sinon, on va puer la barbaque. Fais voir un peu le froid ou pas. Ouais, ça peut aller. Parce qu'il y a beaucoup de loups. Donc, on va déjà avoir plein de loups. Donc, pas besoin d'en attirer encore d'autres. Être honnête, je voudrais vraiment bien qu'il fasse bien jour, genre qu'on puisse faire de la lumière, pas de la lumière, mais du feu avec la lumière. Ça serait vraiment cool. Comme ça, on peut faire du feu où on veut à Muskegmorn et on va pas trop avoir de problème. Je voudrais vraiment bien que ça se passe. Et ce qu'on va faire donc dans l'épisode, comme j'ai dit, c'est la tour. Et une fois que la tour est bonne. Une fois que la tour est bonne, est opérationnelle, je sais pas trop ce qu'on va faire. Parce que camper à Muskegmorn, c'est pas trop intéressant. Et je crois que Muskegmorn va couvrir le lac Mystère. Donc à la limite, on pourrait aller au lac Mystère directement. Et on enchaînera sur la prochaine tour à faire. Je sais pas où elle est la prochaine, je me rappelle plus. On verra ça. On verra ça. Après, c'est bien d'être près du lac Mystère, parce que le lac Mystère, c'est tranquille. Ah, on pourra déposer le marteau, peut-être. Le lac Mystère. Vu que, en théorie, on n'en a pas vraiment besoin. Du marteau. Surtout maintenant avec ces bugs-là de calories et tout ça. Donc, on va pas en faire du café, en fait. On va vraiment pas en faire pour le moment. Il y a des champignons là aussi. Mais comme j'ai dit,
On fouillera ces zones, on reviendra à ces zones et on les fouillera de fond en comble. Quand on aura tout. On pourrait peut-être faire un feu. Ah, ça fait chier. Où est-ce qu'on pourrait faire un feu? À Muskegmorn, au centre. Dans la locomotive, peut-être. Enfin, pas la locomotive, le wagon, peut-être. On est d'accord que... Parce que là, en fait, ça a l'air d'être joli, le temps, donc. Yes, let's go. Vas-y, let's go. J'en profite. On fait une boisson et on y va. J'ai un peu de feu en plus. Ça utilise la loupe? Je sais même plus si ça utilise la loupe. Je sais que le Fire Steel, ça l'utilise, parce qu'évidemment, on gratte la pierre, quoi, qui est dedans. Je sais même pas si la... la loupe, en fait, s'utilise, s'use. J'ai jamais vraiment fait attention, je crois. Je sais qu'il y a un loup, mais en théorie, il peut pas venir à nous. Ah bah attends, on va tout mettre. Ça nous réchauffera. Ah oui, moins 14 quand même. Ah oui, merde. Wow, wow, wow. Ah, il est vraiment à côté-côté, hein. Cassé. Je t'entends, voilà. Toi, je t'entendais pas ou quoi? Évidemment, on a un vent de ouf. Évidemment. Ah putain. Il est allé où, à droite ou à gauche? J'ai vu des pas aller à droite et à gauche en fait. J'ai pas vu la direction des pas par contre. Bon bah, enfin, on s'en fout du coup. Nous on va au centre. Je crois que le vent nous souffle de la droite. Évidemment, il fait extrêmement froid parce que, hein. Ah, vache. J'adore. On s'est un peu réchauffé. On aurait dû à la limite en chauffer plus, genre chauffer quasiment tout ce que j'avais, peut-être les baies aussi. Comme ça on se réchauffe comme ça en fait, en buvant, mais bon. Après consommer autant de ressources, c'est pas trop mon kiff. C'est pas vraiment mon kiff de tout consommer d'un coup. Je suis ralenti par le vent, sans déconner. Aïe 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 aïe.
J'aime pas trop passer par le côté gauche. Car il y a le loup qui a l'ours qui est à droite en fait. C'est bon, il n'y a plus de vent ou s'il y a du vent encore là? Il y a encore du vent en fait. Il y a un loup à ma droite qui m'a flairé. Sans déconner. Putain! Par contre, le problème, c'est que j'ai plus de bois, en fait. Si je peux éviter le combat, je l'évite. Hein. Je gagne absolument rien de tuer les choses en fait. Si je les mange pas ou je récupère pas leur peau ou des trucs quoi. Il m'a lâché ou pas? On a froid, on n'a pas de bois. Faut toujours checker la distance. Et là, il commence à être un peu agressif dans... En ces grognements là, j'ai l'impression. Bon, non, on doit aller là-bas. Je voudrais bien me réchauffer en fait avant d'y aller. Je vais être honnête. Je voudrais vraiment pouvoir me réchauffer avant. Je crois pas qu'il puisse rentrer dans le wagon. Non, c'est bon. Ah, le truc il se retourne instant quoi.
Mais bon. Faut qu'on se réchauffe. Faut qu'on se réchauffe parce que là on va perdre trop de vie là. Je crois que le salaud il s'est retourné. Non mais sans déconner quoi. Ah c'est chiant. Hein. C'est bon, là se met. Bon, du bois. Du bois, du bois, du bois. Absolument. On est à combien? On est à moins 16. Moins... Ouais, moins 16, c'est quand même pas mal. Donc du coup, il nous faut, faut pas mal de bois. Après, il y a des grottes. Je sais plus où elles sont exactement. Pour aller là, mais là il y a des loups à 100%. Ok, moins un. Il y a zéro bois. Et on a une tempête. Ou peut-être pas. Ah la putain, où? Oh la vache. Il y a une grotte ou pas? Putain, il nous faudrait une grotte là par contre. Là, là, ça devient urgent en fait. Ok, je suis jamais venu ici apparemment. Je suis absolument jamais venu. Putain de merde, c'est... Bon, bon, on a du bois maintenant. Ce bruit de... d'igloo détruit, là. Bon. Ramène tes fesses. Vas-y, ramène-toi. Là, là, là. Bon, là, on pourra faire à manger et tout. Enfin, quoi, on n'a pas vraiment besoin, mais... Come on, little fire. Pourquoi pas, quoi. Oh, lots of day. Alors, faut vite... faire plus de reishi. Ok, nickel.
l'époque où on pouvait laisser les... Les tasses, en fait, et tout ce qui chauffait à côté des feux. Pas sur les feux, mais à côté. Et ça les gardait au chaud. Qu'est-ce que c'était bien, cette époque. Qu'est-ce que c'était bien. Aïe, aïe, aïe. C'était vraiment bien, cette époque. Hein. Maintenant, ça brûle, même si c'est à côté. Ça, c'est vraiment con. C'est vraiment con, ce système. Ils auraient jamais dû changer ça, honnêtement. Ils auraient dû jamais, jamais, jamais changer ça. C'était superbe, ce système. Ça permettait d'être prêt, en fait, de faire des longs feux. Et vous mettiez, ce que vous vouliez à côté, genre des thés et tout ça. Et après, les thés, ils étaient prêts pour partir, en fait. Alors que là, il faut à chaque fois, du coup... refaire un feu, en fait. Ah là là, c'était vraiment la bonne époque, ça. Pour ceux qui s'en rappellent. C'était vraiment parfait. Ça permettait de planifier. Ça, c'était bien. De planifier. Là, vous planifiez pas vraiment. Là, il faut faire un feu pour chauffer, puis pour, avant de partir, quoi. Vous pouvez pas le laisser, genre, à côté. Et tout. Enfin, bon. C'est comme ça. On va refaire un peu d'eau. Je suis en train de me dire, je voudrais bien, limite, dormir encore. Dormir ici, en fait. Histoire de récupérer un peu de vie. Je vais être franc. Genre peut-être dormir genre à peine 2 heures, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça on se réchauffe bien. Ah putain de toi quoi. Ah, ah la vache. Ça va prendre combien de temps si je le démantèle? 20 minutes. Ça sert à rien. Bruit de merde. L'épisode va durer un peu plus longtemps que prévu. Hein, parce que je veux faire la tour dans cet épisode. On n'arrête pas tant qu'on fait pas la tour. Attends, non, pas encore. Déjà, il me faut un steak, un peu plus. On va faire ça. Très bien. Si je mets pas d'eau, oui, non, ça marche pas vraiment bien. Et je voudrais faire ça. Ok, on doit être là. On va passer la tour. Mais il faut continuer. Ok, on n'a pas de bestioles. Non, ça va. Ça va, on est à 46 kilos. À chaque fois, je prends du bois et tout, mais...
Là, on vient de tout utiliser ce qu'on avait, enfin beaucoup en tout cas, donc ça va. Non, mais là, je peux dormir qu'une heure en fait. Ouais, bah, ça ira. Ah ouais, on est bon, let's go. Alors attends. On va en faire chauffer un. Excusez-moi, je me concentre un peu sur ce que je fais. Putain, mais j'ai beaucoup de torches en fait. Putain, on a 51 kilos. 52. Même. Ouais, on n'a pas froid, let's go. Très bien. Je sais pas si ça brûle de marcher sur une torche, j'ai jamais testé. Oh putain, regardez ce qu'il y a devant. Des loups. 1, 2. C'est bien. Bon, on n'a pas froid, c'est déjà ça. On a les crampons équipés. C'est bien. Allez, cassez-vous loin, bordel. Cassez-vous super loin. Si jamais il n'y a pas la batterie, je suis en train de me dire, là. Si jamais il n'y a pas la batterie à la... Attends, 3 ? Il y en a 3. Ouais, si jamais il n'y a pas la batterie à la... À la tour, c'est... Oh là là. Ah, je vais être heureux. Oh là là, je vais être heureux. Sans déconner, reviens. Nique-toi! Voilà. C'est ce que j'ai à dire au bout d'un moment. Je crois qu'il y a des lapins. Les lapins, c'est l'heure de faire des sacrifices. Ou un autre loup, merde. Ha ha ha.
Est-ce qu'il avance avec la... Tiens, stop, on va quand même. Il a eu peur... Non, il a pas... En fait, elle a... il a pas peur quand elle est devant lui. Je crois que je l'avais expliqué, ça. En fait, si vous posez une torche par terre, si vous posez une torche par terre, il ne la voit pas. En fait, c'est bien là, le chemin. Hein, j'ai un doute, maintenant. Oui, si, ça doit être là. Il ne la voit pas, en fait. Je crois. En fait, c'est par rapport à nous. En fait, c'est par rapport à nous, je crois bien. Parce que là, il a eu peur. Je crois qu'il a eu peur de la torche qui était derrière moi. Pas celle qui était devant lui. Genre, quand il arrive à ma portée pour m'attaquer... En fait, c'est par rapport à l'attaque. S'il attaque, en gros, il va faire ligne droite sur vous. S'il y a une torche autour de vous, dans votre main, il va faire demi-tour. Mais par contre, s'il fait que marcher, même s'il vous suit, s'il fait que marcher... Il va même passer sur une torche, il s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à nous, en fait. Je crois bien. Bon, on y arrive bientôt. Marrant, il y a des baies, des champignons. Genre, j'aurais strictement rien pris quand j'étais passé. Sans déconner, c'est un loup, ça. Non, putain, c'est pas... Oh non... C'est marrant, ça souffle pas mon feu. Ouais, bon, maintenant oui. Putain, on va la mériter cette tour. Hein. On va la mériter. Hein. Je vois rien de rien. Par là. Oh là, ça tombe mal en plus, parce que je connais pas vraiment très bien la zone. Oh, on l'a, on l'a, on l'a. Bon, dépêchons-nous, là il y a quoi? Oh, oh, c'est nouveau ça! Oh la vache, oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, il nous faut des parties métalliques, j'en ai pas. Cinq ferrailles. Je sais pas, cette ferraille. Merde. Oh, la merde. Alors, attends.
Aïe. C'est bien, tout tombe mal. Magnifique. Genre tout tombe mal. Faut que je regarde combien j'ai de ferraille. Tiens, j'ai pas pensé aux ferrailles. Oh là là, merde. Les ferrailles les plus proches, c'est... C'est combien ? 26. Les ferrailles les plus proches, c'est quoi ? C'est où ? La forge ? Ce serait la forge. Par contre, il me faut un endroit. Je pense qu'on va faire un feu dans l'arbre creux. Si j'arrive à avancer. L'arbre creux semble bien, mais je crois que le vent souffle dans la direction du creux, en fait. Là, on est bon ou pas ? Là, on est bon. Putain, mais faut que je me place bien. Oh là là ! Mais c'est la galère! Ouais, du coup, c'est sans torche. Parce que sinon, je suis obligé de me mettre à l'endroit du feu, en fait. Là, le vent, il a pas intérêt de tourner. Hein. Alors, je peux pas vraiment me mettre à côté, sinon je serais pas protégé du vent. Par contre, je peux me mettre là. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah là, c'est la technique de la survie de ouf. Hein. Est-ce que ça marche ou pas? Ok, ça marche pas. Ah, oh la vache. Quelle merde. Quelle merde. Quoi bien. On a vu pire, lol. Non? Ah, c'est un gros blizzard en plus, hein.
vache. On va dormir une heure. J'en sais rien en fait. On va finir ça sur un cliffhanger. Ça marche? Parce que de toute façon, je peux pas réparer la radio. Il me faut le métal. Donc on va finir ça sur un cliffhanger. On verra si on survit ou pas. On va dormir une heure. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien et on verra si on pourra continuer notre survie ou alors si c'est la fin. Ciao.